Je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. C'est une promesse. Et ils seront mon peuple. C'est une promesse. Personne n'enseignera plus son concitoyen. Ni personne son frère en disant connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. C'est toujours des promesses. Verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà les meilleures promesses. C'est qu'aujourd'hui, un homme qui est venu à Dieu dans la sainte Seigneur. Des fois, on manque la sincérité. On bloque la marche avec Dieu. Même devant Dieu, vous manquez la sincérité. Vous avez la fraude dans votre esprit. Parce que tout ce que vous faisiez là, tout ce que vous faites, Dieu voit. Et maintenant, vous trouvez en sa présence. Vous ne dites pas la vérité. C'est compliqué. Les gens manquent de sincérité. Quand vous manquez la sincérité, vous n'aurez pas les voies de Dieu tracées dans votre cœur. Soyons sincères. Amen. Amen. Quelqu'un qui vient sincèrement au Seigneur, il a répandu son âme avec douleur, sincère, implorant la miséricorde. Dieu pardonne. Et quand Dieu pardonne, Dieu oublie. La preuve que Dieu vous a pardonné, vous avez la paix du cœur. C'est ce que Dieu vous a approuvé. Il vous a agréé. Votre cœur ne vous condamne pas. Amen. Amen. Le cœur ne me condamne pas. Je vais réparer avec lui. J'accepte le pardon. Je marche avec lui. Moi, j'ai toujours prié le Seigneur. Sur base d'une promesse qui est dans la Bible. Mon Dieu, tu as dit. Mon Dieu, tu as dit. Je t'inscrirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Il y a une promesse dans le Nouveau Testament qui dit qu'il est capable de vous préserver de tout ceci. Je prie devant Dieu. Préserve-moi de tout ceci. Le monde ici est corrompu. Tout est mal. Tiens-moi dans ta main. Et Dieu est fidèle. Mais il est aussi fidèle dans cela. Il est fidèle dans cela. Et il a donné une promesse à 1 Corinthiens. Chapitre 10. Venez dans 1 Corinthiens 10. Si vous ne priez pas sur ces promesses. Il est dit au verset 11. Non, 12. Ainsi donc, voyez, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens. Afin que vous puissiez le supporter. Croyez-vous à cette parole? Amen. Elle est vraie. Elle a fait une expérience avec Dieu. Si vous avez fait l'expérience, croyez que cette parole est la vérité. La tentation viendra. Vous pouvez être assiégé de toutes parts. Mais Dieu fidèle préparera un moyen pour s'en sortir. Et le même Dieu fidèle
Il est capable de me préserver de tout ça. Il y a des moyens de faire. Je veux croire vraiment. Pour que ma vie avec lui, ma marche avec lui, soit une marche de victoire. C'est le nom du Seigneur. Amen. Amen. Il y a quelque chose de faux qui vient. Je souhaite que ce soit quelque chose qui n'est pas prémédité. Non. Un accident est arrivé. Mais Dieu est quand même capable. Il est aussi capable de vous prévenir qu'il y a un danger. Mais si vous avez un cœur qui s'égare, ça t'attache au mal. Et qui n'a mis la main. Le cœur est attaché au mal. Vous rejetez la parole révélée par Dieu. Il y a quelque chose qui va pas. Dieu parle clairement. Il parle clairement. Alors Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Allons vite. Alors, maintenant, dans Hébreu, il y a une alliance. L'alliance a été conclue en Sinaï. Cette alliance n'était pas éternelle. Mais l'alliance qui a été conclue à Golgotha, c'est une alliance éternelle. En vertu de laquelle les croyants en Jésus-Christ sont pardonnés de tous leurs péchés. Et ils ont la vie éternelle. Ils ne viendront plus jamais en jugement. Je crois que le temps où vraiment nous devons porter le regard sur le Seigneur plus que hier, c'est aujourd'hui. Parce que le temps est très avancé. Vraiment, le temps est très avancé. Vous sentez qu'il y a parfois, il y a certaines choses qui arrivent, vous êtes irrité. Il aurait fallu vivre dans un endroit où vous ne voyez pas ça. L'église doit sentir ça comme ça. Vous sentez que il n'y a rien qui peut vous rassasier. Rien ne vous rassasie. Rien du tout ne peut vous rassasier. C'est quand vous restez pensif, vous regardez au Seigneur, vous faites les promesses de Dieu, vous avez la joie dans le cœur. Mais tout ça, le reste, la nourriture, les habits, ça ne satisfait pas l'âme. Non. Ça ne satisfait pas. Même le mariage est satisfait. L'âme est satisfaite par la présence de Dieu. C'est vrai. Il y a solo. Oh, c'est un peu dur. Si vous êtes sage, vous gagnez votre argent. Servez dans l'œuvre de Dieu avec ça. Alors, vous aurez la richesse au ciel. Tout ce que vous dépensez pour le Seigneur et pour l'œuvre de l'Évangile, vous retrouverez la récompense là-bas. Et tout ce que nous dépensons pour nous-mêmes restera sur la terre. Croyez-vous en cela? Ça reste sur la terre. Mais ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour les hommes de Dieu, c'est pour Dieu que nous le faisons et nous aurons notre récompense. Que le nom du Seigneur soit loué. Hier, je disais à un frère, je disais, servir Dieu, c'est servir le peuple de Dieu. C'est une pensée profonde. Pourquoi il y a des ministres? Pour les batailles, c'est pour le peuple. Pourquoi il y a les gars? C'est à Dieu que vous l'avez fait.
Les mères que vous faites à un fils de Dieu, moi, une fille de Dieu, c'est à Dieu que vous l'avez fait. Mais que Dieu soit loué. Consacrons nos vies pour le peuple de Dieu. C'est ce que le Seigneur a montré dans la vase de Dieu. Jean 13. Nous sommes en train de manger. Il se met debout, avec l'eau dans le bassin. Merci. Et je commence à laver. Nous allons le faire ce soir. Bibliquement. Dans le la Bible. Laver le Bible. Il arrive à Pierre. Un petit appel de la Draki. Il a vu que ça, c'est une tâche des esclaves. Lui était le Seigneur. Il ne pouvait pas le faire. Pedro, on est allé monter là-bas. Ombo. Il y a des gens qui ont fait ça. Parmi tout cela, il n'y a que Pierre qui avait compris la révélation. Mais toi, Seigneur, tu es un homme. Jamais on a vu ça. Dans l'ancien comme dans le Nouveau Testament. Non, on n'a jamais vu ça. C'est l'inférieur. Il a vu le pied du supérieur. Abraham l'a vu pour l'inférieur. Abraham l'a vu pour l'inférieur. Mais maintenant, le même Seigneur. Il est venu dans la chair. Et c'est lui qui lave le pied. De ces créatures. Pierre a dit non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Il a lavé le pied. Jésus va lui dire une parole. Il y a ma casse. Si je ne te lave pas le pied, sauf pour la secrète, ma tante, tu n'auras pas de part avec moi. Au constat, la tête, on a gagné. Tu n'auras pas de communion avec moi. Yo, constat, la tête, on a gagné. Tu n'auras pas de part avec moi. Au constat, la tête, tu es retranché de moi. Pour éternellement. Tu n'auras pas de part avec moi. Au constat, la tête, on a gagné. Tu seras retranché de moi. Yo, constat, mon fils, on a gagné. Et c'est le même Pierre. Il a dit au Seigneur, à qui autre irions-nous? Quand tu as les paroles, de la vie éternelle, moi je te suis pour avoir la vie éternelle par le moyen de tes paroles. Maintenant on lui dit, tu seras séparé de moi éternellement. C'est comme ça que je comprends. Si vous êtes avec le Seigneur, éternellement vous serez avec lui. Si vous êtes séparés de lui, éternellement. Pierre dit non. Mais ne lève pas seulement le pied. Quand on a dans ma tête aussi. Mais les mains aussi. Non, ma boque. Il s'est rendu. Voilà un cœur. Voilà un cœur des enfants. Quand il est dans le faux. Quand la parole vient. Quand il est ne résiste pas. À côté, il va se rendre. À Seigneur, comme il fait ça. Il s'est rendu. À lui fait ça. Alors, maintenant, il avait part avec le Seigneur. Il avait une part avec le Seigneur. Ah. Il avait encore. Dans le pied, dans la vérité. À ce qu'on vient. Jean vient, dans la vérité. Barthélemy vient, Jean vient, verset 13. Verset 12. Après qu'il ait lavé les pieds, si met à Silico sur l'homme, et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table, leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître, Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Qui donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître? Vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Gloire au Seigneur. Voilà, il a montré un exemple.
Nous devons faire comme il a fait. Le maître, Molakiti, le Seigneur Adonai, Nicolo, Adonai, Nicolo, il s'est incliné. Quand il l'a fait, Tango, il y avait deux sentiments qu'il a admis. C'est le premier verset là qui est dit. C'est le sentiment d'amour. Et le sentiment d'humilité. Il y a des gens, Dieu le résiste. Zambe attire mes lacabangos. Ils se glorifient de leur beauté. Quand l'homme se lève, même dans le monde, il y a déjà quelque chose qui combat contre lui. Parce qu'il faut qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié. Non, frère. Tebandeko. Humiliez-vous sous la main puissante. Ne vous glorifiez pas de vos enfants. Ah, mes enfants. Ils sont de beaux enfants. C'est fini. Et puis, quelque chose commencera à travailler. Et là, comment que commandez-vous ça? Pour la chose qui alimente l'orgueil là. Et quand vous allez tomber dans le fou, voilà. Tombe! Et croyez pas à la pour qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Ne vous glorifiez pas. Ah, mais vous savez, les enfants, vos enfants, bah, la vie au table. Mais vous savez, Marie, ah oui, vous voyez, vous avez une dette de loyer de 600 dollars. Vous ne pouvez pas payer. Il s'est tellement glorifié qu'il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. J'ai même dit de lui. Bandeko, il n'y a que Dieu qui est au-dessus de toi. Même si vous êtes intelligent, Dieu ne sait pas Dieu. Même si vous avez le moyen, Dieu ne sait pas Dieu. Même si vous êtes beau, Dieu ne sait pas Dieu. Mais ne dis pas que l'autre est moche. Tout ce que Dieu a fait est bon. Qu'il a abîmé l'homme, c'est le péché. Il glorifie Dieu dans sa taille. La couleur de la peau. C'est là où Dieu se glorifie. Que le nom du Seigneur soit loué. Comment on a l'Amérique a eu un président. Il a passé toute sa vie dans une civière. Il prenait de grandes décisions. Il était président des États-Unis. Ne vous glorifiez pas. Moi, j'ai mes maisons. Nous, quand on était dans le monde, nous étions je peux me glorifier en Christ. C'est pas tout le monde qui vient en Christ. Mais dans le monde, tout le monde est dans le monde. Alors, si vous vous glorifiez de quelque chose, l'orgueil, le fondo, l'orgueil, le fondo, le lendo. Précède la suite. Et moi j'ai marié toutes mes filles. Ah, n'a pas si mal, n'a pas si mal. Oh, elle est là. Pourquoi elle marie pas ça? Pour y aller, ça va pas se faire. Ah, il y a moi. Ah bon? C'est bon. On met un bébé, je fais le quoi? Ben, je n'ai rien à faire. Mais, il m'a dit à moi. Oh, ben, il n'a pas fait. Hein? Il m'a dit à moi. D'ailleurs, c'est toi qui as fait le mal. Il y a d'abord. Honte à vous. Tony Nayo.
Déjà quand ça commence à sortir comme ça, mettez-vous en tête. Que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux âmes. Même si ça ne se fait pas cette année. Si vous humiliez pas, vos yeux verront la chute venir. C'est pour sauver votre âme. Oui, c'est vrai. Bon, alors, maintenant. Deux sentiments. L'amour. Un homme qui n'aime pas le peuple de Dieu ne peut pas être prédicateur. Moto ya ka ni mota nzambe te. Soko moketa ko za la moto. Prêcher la parole, c'est transmettre la semence. Et dire ko pesa mon moto. Si la semence de l'homme est transmise dans l'amour, soki mon moto ya pesa melikata na bolingo. La semence de Dieu doit être transmise dans l'amour. Mon moto na za te ngere pesa melikata na bolingo. C'est un mur qui a édification. Ndra tango na bolingo se moto. Est-ce que c'est clair ça? Makama wa dire polele. Ça nous fait édification. Et ton moto ba ko kole l'amour bolingo. Dieu. Yami ba. Comme qui dit ça. Et troisièmement, yami sa to. Se mettre au service des saints. C'est fini. C'est ça l'enseignement sur le lavage de pieds. Yangonde Malako. Galate Galatia ce point-là. Tenez Galate. Bokamata Galatia. Que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir connu le Seigneur. Moi je le compte en banque. D'ailleurs, vous savez, c'est l'année passée. J'ai pu atteindre 10 000 dollars. Mais vous, qu'est-ce que vous avez? 10 000 dollars, c'est quoi? Ceux qui ont eu des milliards pleurent. Il n'y a que 10 000. 10 000. C'est l'année passée. C'est rien. C'est la grande richesse que vous avez, c'est la foi en l'avenir. Glorifiez-vous d'avoir connu Dieu. Galate dit, Galate 5, verset 13. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour. Serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voilà, c'est ça la conclusion. Lavage de pieds, l'amour, bolingo, l'humilité. Parce qu'il était Seigneur, il s'est humilié. Il a rendu service au Saint. Il y a des gens pour s'asseoir avec eux. Il a un costume pour s'asseoir avec quelqu'un. Oui, avant de la monter longo, ça devient quoi? Manger dans le même assiette. Moi, ça me fait plaisir comme ça. Moi, quand je vois les gens manger, je suis content. Dieu a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, il y aura les bases de pieds ce soir. Il y aura le repas du Seigneur. Nous allons rompre un serpent. Donc au bout Kalipa Moko, après avoir rendu grâce au Seigneur, si manabito coton d'accord, le pain là, sans le vin, l'hypothèse du four représente deux choses. Premièrement, le corps. Il y a le sacrifice de Jésus. Nzoto, l'agneau de Dieu. N'avait aucun péché en lui. C'est pourquoi son sang était capable de nous racheter. Amen. Amen. C'est ce pain-là. On n'a pas vu mis le vin, les levures. Parce qu'en Jésus, il n'y avait pas la fraude dans son esprit. Pas de mensonge, pas d'iniquité, pas d'incrédulité. Il était saint, il était pur, sans défaut, sans tâche.
Ça c'est des deux. Yamibale. Le pain là, Lipona, représente et d'ali elilingi ya. Le corps racheté de l'église. Nzoto et sikolami ya ecclesia. Et nous allons le briser. Peto kobuka yango, tokobuka yango. Parce que le rompre publiquement. Kobuka ngona mita watu. Parce que Jésus aussi a été brisé, blessé publiquement. Pour elle, la mise en place. Et nous allons couper des petits morceaux. Quand vous prenez tous ces morceaux, le morceau là, représente les membres du corps de Christ qui forment l'unique corps. Amen. Maintenant, nous avons la coupe. Si quand tu es en Kenny. Ici, nous utilisons une seule coupe. Ah, ouais, tu conseilles la campagne, mon coca. On fait une seule coupe. Et tamboli. Il n'y a pas de maladie dans la présence. C'est malade dans la catégorie. Les hommes les plus. Qui aiment bien l'hygiène. Bateau, il y a un beau péto pour les kawan. Je vous dis au nom du Seigneur. Jamais dans la présence. Sauf comme au quête du Boston. On a été contaminé par les maladies. Les maladies à moto. La coupe. Nanzela, Nankenya. Au contraire. Je suis venu pour cacher de faire banana. Une prédication sur la communion. L'idée, il dit. Alobi. Il y a des gens qui viennent dans la foi à ces repas, croyant que tout a été accompli à Golgotha. Ils viennent malades, ils rentrent guéris. Et le nom du Seigneur soit loué. Alors, ici, c'est dans la foi. Ah oui, c'est quatre condiments. Mais la coupe, c'est l'alliance. Ce qui est dans la coupe, c'est le vin. Et le vino. Le sang de la vie. Maquilla la vie. Ça représente le sang de Jésus. Et quand il s'est maquillé la Yesu. Alors vous voyez, il faut manger la chair de Jésus. Il faut boire son sang. Il faut la maquilla. Recevoir la parole du Fils de l'homme. Kuyamba. Et recevoir l'esprit. Kuyamba. Qui est la vie éternelle de Dieu qui est dans le sang de Jésus. Bomui na sa maquilla. Bosangani boyoke. Bomoko salami. Cette communion. C'est bosangani bomoko. Nous l'avons. Éternellement. Libella na libera to seko na seko. Je vous exhorte. La lengi kina bo. Éprouvez-vous vous-même. Bomitala, bomilembe. Nous voulons que tout mange. Tolinga te pense ba lia. Que tout boire. Te pense ba mela. Après être examiné. Si mana komitala komilembe. Oui. Yo. Ne prends pas par audace. Otangote na nzela na nzongo mboto lipombo. Que bon, moi je n'ai pas appris. C'est que ma vie n'est pas en ordre. Bon, on a gardé les bonnes. Vous allez prendre par audace. Il y a quelque chose qui s'accomplira contre vous, c'est pas bon. Examinez-vous. Répandez votre âme au Seigneur. Qui ne faites pas comme les catholiques. Comme il y a Saint-Saint. Dimanche. Bon. Je sais avec qui je ne suis pas en relation. Je vais le voir tout à l'heure. Quand la Saint-Saint passe, on reprend son costume de là. Oh, Kamati Kazaka na yowana zumbia. Vous vous trompez vous-même. Regardez comme il compte, yomoko. Vous vous trompez. Oh, comme il compte, c'est moi. C'est de l'hypocrisie. Et Zeli Bilongi Bibale. Il aurait fallu même. Et Bongala dit Mala Mukutu. Je ne vais pas vous approcher. Et toi, pousse à la côte. T'es obéi. Parce qu'ici, c'est pour ceux qui sont engagés. Et Zeli pour avoir pas comme on gagne. Et te battant pour le long en colo. Que les noms du Seigneur soient. Comme on a collé Kouisa. Avant de terminer, je vous donne un témoignage. Il bosse la conscience à la compétition. Il a vécu comme toute autre femme. Oh, il y a Bika qui le colle à moi. Dans le monde païen. Nakata Mukilabu Pagan. Lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur. Dans la pète comme on n'est pas en colo. Il a fait une alliance. Après la Kibouyo, que le monde en colo. Il lui a dit, Seigneur. A dit, colo. Moi. Ngaï. Dès aujourd'hui, Bandaleloï. Je t'ai consacré ma vie. Aucun autre homme ne quittera mon corps sauf mon mari. Et les saints. Ta fungola qui m'a mené par l'encolo. Et Dieu l'a aidé. Benzamba Salisaki. Plus de 10 ans. Mboula zone colère. Elle est restée ferme. Atikali, Atelemingui. La dernière tentation, c'est dernièrement. Comme Kamanaso Kézaki, il connaît les gens. Il a les promotions. Et c'est là qu'il va m'attirer un pico. La Moussala. Son chef, mon consignaillé, devait décider. Il l'appelle dans le bureau et il dit, tu dois sortir avec moi. Sinon, j'enlève ton nom de Bamba. La vie. Elle est restée tranquille. Atikali a vendiqué. Il a dit à son père, moi je suis fille de Dieu. J'ai fait une alliance. Que seul mon mari pourra toucher mon corps. Il a dit à son. Je sacrifie cette promotion. Il
Je n'accepte, je ne. Mais je t'avertis que je suis fille de Dieu. Et t'as dit moi la moitié en Zambé. L'un ou l'autre jour. Les loto, mon colomotoso. Dieu me récompense. Zambé a confus tangaï. C'était fini. Et si vous m'en parlez, aïe, vous êtes tangaï. Merci de rester là. La tonne d'une corée le moral. Le parti. A Kendaki naï. Je dis n'aie pas la haine dans son cœur. A du coup, il n'a pas la haine dans son cœur. C'est Dieu qui a permis ça. Zambé n'a pas permis ça. L'homme a poursuivi. Mon balou à l'andaki. La sœur a dit. Dès qu'on t'a dit, jamais tu ne toucheras mon. Sans comment que tu es possible, ma zotora. Mon corps appartient au Seigneur. Et bien, il jamais. Sauf comment que tu es. La liste est sortie. La liste est bimaki. Le nom de la sœur n'était pas là. Combo, il y a des combats. La sœur est restée tranquille. A quitté une après, pendant elle était là. Merci, Maradona. Dieu a bougé le monde. Zamba, l'ingé, c'est battu, non, ça. Il a touché le cœur d'un mousse. À tout à qui monte mon ami, on a créé un service. Ministre qui moi, les sangs, mon salaire sont gros. Le choix du ministre est tombé sur cette sœur. Comprenez, un ministre quoi qui le couronne en décomment toi là. C'est elle. Le décret, l'arrêté est sorti. Mon canon, il m'a signé par le ministre. Et tiens, ministre, la ministre. C'est tombé entre les mains de son sœur. Et quoi, il n'y a pas mon conseil. Comment c'est arrivé? Il est arrivé. Ses collègues sont venus. Les collègues, bah, il est arrivé. Je n'ai pas fait les demandes. Dieu qui ordonne les choses. Il l'a fait. Parce qu'il a vu mon attachement. À lui. Dieu honorera toujours. Tout engagement sincère. Et fidèle. On marche avec lui. C'est le nom du Seigneur. Comment on peut le commissaire? Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Zambé a dit qu'à côté de la Bible, le nom du Seigneur. Comment on peut le commissaire? Maintenant nous allons prier. Si quatre ressemblent. Si votre cœur vous condamne pour quelque chose. Donc mon thème nom quoi est pour la Ligue Amosongo. Yoka pas tu votre madame. Je prends l'engagement. Je mon canon de confier toute votre vie au Seigneur. Il y a pour Kabobo mon nom libère pas encore. C'est un repas de souvenirs. Et Zambé il est beaucoup dans la même caisse. À sauvé à Golgotha. Zambé a dit qu'il est à Golgotha. Ce sont les croyants qui l'expérimentent. Bangirinde babika kalikambo. Levons-nous. Sotelema. Thank you.
Merci, grand Dieu. Père Céleste. Merci du sacrifice de Golgotha. Car je reçois du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Jambi, na yambaki kote paye nankolo. Oh, na tiri kote yabino. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré. Et j'allais te coller sur na buto ya tira ki kote kama. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit. Sima na ye koton na buka ki palo. Ici est mon corps qui est rompu pour vous. Oh, et une des autres na ye buka ki pona yabino. Faites ceci en mémoire de moi. Bosa la bongo pona buka ni tindai. Continue mon cœur pour la prière. Tonguma mitu na biso pona kosambela. Bien-aimé Père Céleste, Molingami Tata Yalola, nous venons au nom de Jésus-Christ dans ta présence. Toyeri Bostona en combo de Jésus-Christ. Pour te demander de bénir ce pain pour l'usage auquel il est destiné. Pour la consenge ton pain pour la libre pour la montale où il y a un salé l'âme. Nous te remercions de ce cœur. Ton Yolantina été. Le corps saint de Jésus dans notre Dieu. Nous autres, mon sang, y a Yesu, moi, dans l'emplaté en jambes. A été meurtri. Yangwe, nous venons, Seigneur. Toye notre salut. Et
Na zali ko kete yo oliate.